Frères et sœurs, dans la foi, la nouvelle du rappel à Dieu du pape émérite Benoît XVI, survenu le 31 décembre 2022, a été accueillie avec beaucoup d'émotion par le monde entier, en général, les chrétiens en particulier, les catholiques. De manière plus spécifique, le cardinal Joseph Aloïse Ratzinger aura marqué son temps par ses qualités de grand homme d'Église et surtout de grand théologien. Les trois encycliques et quatre exhortations apostoliques publiées durant les 8 années de son pontificat, lui ont permis de partager sa foi profonde en un Dieu amour qui se laisse découvrir par sa sainte parole. Et il a sorti dans ce clé Deus Caritas, Dieu est amour. Bonne nouvelle pour l'homme. Sa vie humblement vécue et ses pensées, sa pensée, sont désormais un véritable trésor pour l'Église et pour notre monde. L'œuvre de découverte pouvant permettre aux croyants de mieux affronter les nouveaux défis de ce temps. Ce matin, donc, a eu lieu ses obsèques à Rome. Et nous voulons, en cet instant, communier dans la prière pour qu'il repose en paix. Nous nous associons à cette intention, la prière de notre cher curé, Serge Christ, sans nous, il est malade, afin qu'il retrouve la santé que nous-mêmes suivra pour que nous continuions de prier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse plaisir. Pardon tous nos péchés et nous conduisons à la vie éternelle. Tu avais choisi ton serviteur, le pape Benoît XVI, pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Donne-lui de goûter pour toujours dans la joie du ciel les mystères de ta grâce et de ta miséricorde. Il a célébré sur terre avec confiance. Par Jésus, mon plus nombreux Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Parole du Seigneur. Nous devons l'accepter. Seigneur,
les soldats furent arrivés au lieu dit le calme ou Carmel, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre le fit de vite reproche. Ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant comme condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. La foi lucide de mon
a appris, mes frères et moi, à croire. Il m'a indiqué la route à suivre au milieu de mes découvertes scientifiques. L'affectueuse pitié et la bonté sans bornes de ma mère restent pour moi un héritage pour lequel je ne saurais trop remercier. Ma sœur m'a servi toutes ces années avec sollicitude et abandon. Et mon frère m'a souvent frayé le chemin par la lucidité de ses jugements, sa détermination énergique et la gaieté de son cœur. Sans cette persévérance et cet accompagnement inlassable, je n'aurais plus trouvé de poisson. Je remercie Dieu de tout cœur pour tous les amis, hommes et femmes, qu'il a souvent mis à mes côtés, pour les collaborateurs et toutes les étapes de mon parcours, pour les enseignants et les élèves qu'il m'a donnés. Avec reconnaissance, je les confie tous à sa bonté. En particulier, je remercie le Seigneur pour la belle patrie des Bréhades de Bavaroise, dans lesquelles j'ai pu voir briller encore et encore la splendeur du Créateur lui-même. Je remercie les hommes et les femmes de ma patrie qui m'ont permis de faire en eux l'expérience de la beauté de la foi. Je prie enfin que notre pays reste un pays marqué par la foi. Et je vous prie, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas détourner de la foi. Enfin, je remercie Dieu pour toutes les belles choses que j'ai pu apprécier aux différentes étapes de mon chemin, spécialement à Rome et en Italie, qui est devenue ma deuxième patrie. À tout ce que j'ai pu laisser, de quelque façon, je demande sincèrement pardon. Ce que je viens de dire à mes compatriotes, je l'adresse à tout ce qui était confié à mon ministère dans l'Église. Restez ferme dans la foi. Ne vous laissez pas confondre. Il semble parfois que la science naturelle d'une part, et la recherche historique d'autre part, particulièrement l'exégèse des saintes écritures, produisent des évidences irréfutables qui contredisent la foi de Dieu. J'ai assisté de loin aux transformations de la science naturelle et pu observer comment d'apparentes certitudes fondées contre la foi ne se révélaient pas être des sciences, mais des interprétations philosophiques appartenant aux apparences à la science. En même temps, la foi a permis du dialogue avec la science à mesurer la portée et les limites de ces assertions. Et mieux, apprécier ce qui est bon. Cela fait maintenant 60 ans que j'accompagne le chemin de la théologie, en particulier les sciences bibliques, et j'ai vu au fil des générations s'effondrer des guéris qui semblaient inébranlables et qui ne sont pas appelés maîtres que de simples hypothèses. La génération libérale, la génération existentialiste, la génération marxiste. J'ai vu et je vois encore comment la rationalité de la foi émerge du tourbillon des hypothèses. Jésus est réellement le
chemin, la vérité et la vie. Et l'Église, dans toutes ses imperfections, est réellement son corps. Enfin, je demande humblement, priez-moi, afin que, malgré mes péchés et déficiences, le Seigneur m'accueille dans sa demeure éternelle. Que tous ceux qui m'ont été confiés soient assurés, jour après jour, de l'élan de prière jaillissant de mon cœur. Signé par Benoît XVI. Pape Benoît XVI, allez en paix. Que nos prières vous accompagnent. Que Dieu vous accorde la récompense des fidèles, des bons serviteurs. Qu'il vous accueille en son royaume de gloire et de paix pour vivre avec lui dans la joie des siècles des siècles. Ensemble, en communion avec l'Église universelle, faisons monter nos supplications pour le pape Benoît XVI, pour notre curé malade et pour lui. Toi qui es plein de misère.
de même après le repas et la coupe, de nouveau il demande grâce et la gloire à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Avec moi dans le nom de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Et que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez avec vous. Thank you.